Bonjour à tous et à tous, ici Digico PS3 et on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Pokémon. Allô tout le monde. Ça c'est mon frère, vous devez être... Habitué à mon ton, ouais. Ouais, je trouvais pas le mot. Donc aujourd'hui, c'est un unboxing ou un unboxing d'un colis que j'ai reçu hier. Et puis, bah, c'est Ouais. parti, on commence. Ben, on va aussi ouvrir... On va Ben, juste ouais, passer la on va caméra, commencer. attendez. Donc, la première chose qu'on trouve, c'est un coffret. Ouais, comme ça. Heart Gold and Soul Silver. Qu'on retrouve, puis à l'intérieur, il y a Ouais. trois cartes, comment Promo. dire, promo, puis avec cinq boosters. On peut tout voir en bas à gauche, même si c'est Ouais. en écran anglais. Puis on va retrouver en haut à gauche une petite figurine du Pokémon Entei. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on va ouvrir. Ouais, puis à la fin, on va vous montrer le reste, à la fin de quand on va avoir fini d'ouvrir ce coffret-là. Puis à la fin, on va vous montrer les autres choses qu'on a reçues pour Ouais, vous faire attendre un c'est petit ça. peu le suspense. Tiens, Donc, on ouvre-moi va ça. commencer par le coffret. Puis à la fin, ça va être les autres trucs qu'on reçoit là. Ils l'ont-tu scotché? Hop, Ouais, attends. ils l'ont scotché. Scotché. Bon, mais j'ai réussi à l'ouvrir, ça n'a pas été trop long. Donc, on va commencer à vous faire la présentation de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, donc Petite photo voilà, ici. une vue plus. Oh mon Dieu, attendez. Voilà. Ce qu'on donc je vais l'ouvrir. Commence par la figurine, Y si tu a-tu, veux. attends, y a-tu du scotch? Pense, Non. je vais regarder. Ouais. Non, j'ai compris quand ça se voit. Je fais juste comme ça, ici. Ouais, je sais. Et tu peux commencer à montrer, commence à montrer la figurine. Bon. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. La figurine qu'on retrouve. C'est une figurine Entei. Entei, je veux dire. Excusez-moi. Je me trompe. Entei, Ouais. dérange pas là. Entei, c'est en anglais. Donc, je vais la mettre sur son petit socle. Ah bon, je suis vraiment pas capable de la mettre sur son petit Bon, ben, socle. dérange pas, on Excusez-moi. va vous montrer, sinon pendant ce temps-là, les trois belles cartes promo qu'ils nous offrent. Donc, on a Feraligatr, ici. Excusez si ça zoome pas trop, mais c'est la première carte. Après ça, on a en deuxième Meganium. Super belle aussi. Puis en troisième, on va retrouver la carte Typhlosion. Les trois sont toutes en holographique avec des petits effets mosaïques en arrière du Pokémon. Donc, j'y trouve les trois cartes superbes. Tu peux le Donc, montrer ouais, l'Entei. je vais vous montrer le Entei. Il est vraiment... Il est beau. C'est une belle figurine. C'est aussi cool d'avoir des figurines quand Ouais. même. Moi, j'aime bien, là. Moi, c'est ce que je préfère dans les coffrets, quand il y a des figurines. Hop, tiens, je te présentais Ouais. les trucs. Donc, les 5 boosters qu'on retrouve, c'est... Nous avons ici Un triomphant. un HS triomphant. C'est Electabuzz, si je me trompe pas, ou son évolution. Ici, Un autre un autre triomphant. triomphant avec Magmar. Non, c'est pas Normal. Magmar, C'est excusez-moi. méga. C'est J'y connais un vraiment peu pas. canon. Ici, un autre HS Indomptable. Undaunted C'est indomptable en français. avec Jolteon. Un HS Soul, Heart Gold and Soul Silver avec OO dessus. Et finalement, un HS Unleash avec NT. Donc, on ne sait pas par lequel Ouais. commencer. On les. C'est lequel que tu préfères, toi? On n'a jamais vraiment ouvert aucun de ces paquets-là. Mais on va commencer par le booster OO. Parce que D'accord. ça fait partie de la série qu'on ouvre, du coffret. Donc, moi, j'ouvre toujours les boosters pour ceux qui ne le savent pas. Puis, c'est mon frère qui fait toujours la présentation des cartes. Donc, on essaie de bien ouvrir ça parce que moi, je garde toujours tous les boosters. Personnellement, c'est pas les plus beaux boosters qu'on a jamais Non, vus. ils sont beaux quand même. Non, mais je suis pas fan des illustrations genre qui ont l'air plus abstraites, mais Entei, c'est mon préféré. Un okay. Oh. Ouais. Toi, Bon. c'est lequel? Oh, n'importe quel, je les aime tous. Mais je sais pas si c'est 1, 2, 3 dans lui. Je pense que c'est 1, 2, 3. Si on se trompe, on va le savoir pour les autres, là. Ben, je pense. Tiens, si tu veux commencer. Donc, on commence. La première carte du booster est Koffing, Spinarak, Growlithe, Totodile, Phanpy, Full Heal, une trainer, un supporter J'aime ça. Professor Oak's New Theory, Nouvelle un théorie. Dunfin,
Sand Slash en reverse et Hit Mon Top en rare. Ah ben, c'est le premier booster, c'est bon. Non, le deuxième. Prends n'importe quel, ça me dérange pas. Un HS Triomphant, tiens. C'est tous des boosters qu'on a jamais ouverts, donc pour nous c'est le fun, ça fait... Changement. Changement des nouvelles séries qu'on retrouve dans le bloc... je ne sais même plus du bloc. Plasma Storm. Ouais, dans cette ben, série-là. Noir et blanc, plutôt. Ah, c'est ça. Ben ouais, c'est la série Noir et blanc. La série Noir et blanc 2, fait partie de la même série que Noir et blanc. Ouais, je sais pas. Bon, vous nous le direz. Sérieusement, je sais vraiment pas. Trop. Donc, c'est vraiment le 1, 2, 3, 1, 2, encore. Tiens. D'accord, donc, la première carte qu'on retrouve est Psyduck, Voltub, Bellsprout, Swinub, Lickitung, Kangaskhan. C'est dur à prononcer. Ouais, un peu. Pidgeotto. Ouais. C'est un classique. Luvdisk. Spiritomb. En reverse. En reverse. Rare reverse. Ah, oh, ouais, une rare. Donc on va et finalement, après. Agron. Elle est pas mal belle, moi, je trouve. Ouais, elle est belle. Elle est solo, non? Non, elle pas... Ah oui, non, oui, elle est holographique. Excusez-moi. Elle est pas mal belle, la carte. J'avais pas réalisé que c'est holographique. Elle paraissait pas beaucoup. Ouais, mais les jolos dans ces éditions-là, sont, on les voit moins. Ouais, elle flash vraiment pas beaucoup. Bon, tu peux en prendre un autre. Prends n'importe quel. Tiens. Prendons un autre... prendons un Untenton? Ouais, prendre n'importe quel. On va faire un autre triomphant un peu après. D'accord. Vu qu'on les en faire un. Donc, on ouvre un... Indomptable. Eh, hey, mais attendez... J'avais carrément pas remarqué ça, mais Imon Top est holographique aussi. Ah, oh, donc ça fait deux holos en deux boosters. Ouais, j'avais vraiment pas réalisé. Ils ont pas tellement l'air holographique, mais ils sont. Pas mal belles. Ils ont l'air plus belles quand ils sont holographiques. Quand on le sait pas, c'est un petit peu décevant, mais là. Si tu veux, tu peux le mettre dans une Ultra Pro, hein, tout de suite. Ils sont juste derrière toi. Non, ben. Ils sont juste derrière toi. Tu peux les prendre pendant que j'ouvre le booster. Ouais. Oh, attention, on peut bouger la caméra. Excusez-moi. Attention. Donc, je sais pas si la vidéo va être assez longue, mais... Je vais y mettre tout de suite. Ça fera une petite vidéo bonus. 2-3. Je vais les mettre dans des Ultra Pro. Ok, donc pendant que tu es prêt à le faire, là, je vais passer les cartes. Ouais, je suis prêt. Donc, la première carte qu'on retrouve, Makuhita, Makrow, Aaron, Dozuo, Andor, Team Rocket's Trickery, Slowbro, plutôt, Laren, Mawile, En reverse, oui. Rare, hein, non, elle est pas rare. Un peu commun, je pense. Et finalement, Umbreon. En rare. Holographique aussi? Elle est holographique, oui. Ah, en plus, bon, ben, c'est pas. Hey, c'est trois holographiques, il y en a beaucoup dans ces paquets-là. Ben, je sais pas, mais on est bien chanceux. Espérons qu'on va retrouver une. On est plus chanceux que pour le coffret d'hier. Tiens, on va y aller pour le Unleash, le NT, mon préféré. Ouais, à la date, on a des meilleures cartes que quand on va le coffret Plasma Storm. Ouais, ben, ouais. Le coffret, je veux dire, juste la Team Plasma. Parce qu'il ne marque pas Plasma Storm. C'est juste le coffret de la Team Plasma. Qui était assez, assez décevant. On a seulement eu une... Une holographique. Mm. La date, ça fait 3 holographiques pour 3 boosters. On va voir si on peut en avoir plus. J'aimerais ça, y en a-tu des shiny dans ces trucs, dans ces non, j'ai même pas regardé, je savais pas c'était quoi qu'il y avait comme, je savais qu'il y avait des holos tout. Des holos, mais s'il y avait des, je sais pas, non. Non, ben, on verra, il y aura une surprise si on se prend une ex ou quoi que ce soit. Mais une shiny, c'est facile à savoir, c'est le Pokémon des couleurs différentes de sa vraie nature. Donc, la première carte, Orcia, Stendler. Ah, des vieux Pokémon, ça. Onix. Zubat, Roselia, Grottle, Engineer's Adjustment, Blossol, Tyranitar, en reverse. Je sais même pas si c'est une holo reverse. Et c'est une rare, rare reverse. Rare. Blastoise. Ah, pas mal belle. Cette fois-là, elle est juste, non, elle est juste rare. Ah, oh, mais quand même belle, moi ça me dérange pas. Ouais, elle est vraiment belle. Je suis vraiment content à date pour les 4 boosters, ça me fait des vraiment belles cartes.
Passe-moi donc l'autre, le dernier. Le. Le dernier, triomphant. Triomphant. Puis après ce booster-là, on va faire une petite récap vite des belles cartes qu'on a eues. Puis on va vous montrer le reste du colis. Ben, le reste des trucs qu'on a reçus en fin de compte. Qui sont. Ouais. On va vous montrer ça après. Puis, ouais, c'est ça. Allez, cette fois-ci, j'aimerais savoir une ex. Rien que pour voir, il ressemble à quoi dans ces Heart Gold et Soul Silver là. Donc. Mais non, c'est un triomphant en passant. Hein. C'est un triomphant. Ah, ouais, mais c'est un Heart Gold. Ouais. En tout cas, non, c'est pas la même une chose. Soie Blue. Nidoran. Volbeat. Swinoob. Gastly. Luvdisk. Pidgeotto. Hunter. Carvana en reverse commune et Ambipom en rare. Donc on n'a pas eu de. Enlève ton pas. Donc on n'a pas vraiment reçu de ultra rare. Dérange pas. Donc pour une petite récap assez vite, t'as-tu les cartes? Ben je l'ai montré. Donc il y avait les trois promos qu'on vous a déjà montré plein de fois. Les trois promos qui sont extrêmement belles. Ouais. On a eu Ambipom en rare. Carvana Reverse, Hitmontop holographique, Aggron holographique, Umbreon holographique, Mawile Reverse, Spiritomb Reverse et Sandslash en Reverse. Donc, c'est tout pour la récap. On va vous montrer maintenant le reste du colis. Ouais. Donc, je vais prendre son carte. J'allais prendre ça. Attendez, je vais faire. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié deux cartes. Excusez-moi. J'ai oublié Blastoise en rare et Tyranitar rare reverse, qui est vraiment la plus belle selon moi. Mais Tyranitar, j'ai toujours été un fan de ce Pokémon-là. Donc. Fais juste laisser les cartes-là puis fais juste attention quand tu vas prendre les autres trucs. Donc, le premier truc qu'on a. La première Pokébox. Charizard GX que j'ai pris. Donc, c'est un hyper beau Pokébox qu'on va retrouver dedans. 4 boosters. La belle carte promo. Puis c'est tout. Mais la carte promo, elle vaut déjà un petit peu toute la Pokébox. Espérons avoir d'autres belles cartes. La deuxième qu'on retrouve. Garchomp. C'est un Garchomp X aussi. Garchomp C. C. Donc, c'est la même chose que le Charizard, en fin de compte. Ça fait partie de la même édition. Parce que regarde, si on peut voir ici, on peut voir le Garchomp. Donc, ça fait partie de la même, série. Passe-moi le Pokébox, tu peux prendre les autres. Une autre qu'on a ici, Lucario. Une hyper belle aussi. Il vient du Diamant et Perle, par exemple. Les deux autres, ils venaient de notre... 4 Diamants et Perles série Boosters. Hyper belle aussi. Passe-moi là. Ouais, vraiment belle. C'est toutes des X-Pats pour le moment. NT. Un NT tout court. C'était une holographique, par exemple. Mais il y a deux cartes NT. L'autre, c'est une Shiny, je pense. À moins que ce soit Ed, la Shiny. Il y a deux cartes dedans? Ouais, il y a deux cartes NT. Ah, oh, ben oui, il y a une Pokémon et Shiny. Ah, ben oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ici, la première carte qu'on voit ici, c'est la Shiny. J'avais pas pensé, mais je pense que la Shiny, on va le voir quand on va ouvrir le Pokébox. Donc, La dernière Pokébox qu'on retrouve est une Pokébox Suicune. Qui est la même chose que la NT où on retrouve une Shiny. Ouais. Donc, vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous voulez nous voir ouvrir la NT. La Suicune. La Lucario. Oh, on va le montrer ici. La Lucario. Le Garchomp. Ou le tout dernier. Charizard. Le Charizard qui est sorti en 2009. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Un petit like. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.